Donc, pour téléverser le programme qu'on vient de faire dans le robot, j'ai branché le câble là, dans la prise audio de mon ordinateur. J'ai allumé mon robot. Donc, je l'ai mis en marche. Je l'ai mis soit sur le socle ou encore j'ai branché le fil en dessous pour faire le téléchargement. Une fois que ça c'est fait, je m'assure sur mon ordinateur que le volume est au maximum. Une fois que c'est fait, donc on va voir, il est au maximum. Je vais venir dans le coin supérieur droit de mon ordinateur où est-ce qui est marqué Programme Edison. Je vais venir cliquer dessus. Pendant qu'il est en train de préparer le téléversement, je vais venir sur mon robot, donc en bas à droite, là, vous voyez mon doigt, là, et je vais venir peser une fois sur le bouton en forme de cercle. Donc ça met le robot en mode d'enregistrement. Vous avez vu, les lumières qui clignotaient à l'avant maintenant sont rendues complètement rouges. Donc, c'est qu'il est prêt à recevoir le programme. Et il me reste tout simplement à venir sur la fenêtre qui est apparue et venir cliquer sur Programme Edition. On va entendre à ce moment-là le son qui dit que le programme est en train de se transférer. À la fin, tout ce qui va se passer, c'est que les deux lumières vont se mettre à clignoter, puis on en va avoir entendu là, le bruit que le téléchargement a fonctionné. Il y a un son différent qui va apparaître si jamais le téléchargement n'a pas fonctionné.